Salut. Je peux pas brosser les dents. Il me laisse brosser les dents toute seule. Je crois qu'elle essaie d'imiter l'accent corse. Depuis de quelques jours, c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'elle est en pleine... Ça y est, l'accent corse est en train de prendre possession d'elle-même. Et bientôt, elle va parler comme son père. Regardez-moi ce look. Papa, il mange pas plein de dents. Et il me laisse brosser les dents toute seule. Regardez-moi, j'ai mis ma jupe. Tic, tic, tic. Et là, elle est trop mignonne. Et tu vas où? Chez Nalia. Pourquoi tu parles comme un vieux corse? T'es pas obligé de prendre cette voix, hein, tu peux parler normalement. Elle a beaucoup d'intonation, bah forcément ses copains, copines, eux ils ont l'accent corse à mort. Alors. Du coup. Alors, fait. Elle me tue en ce moment, je jure. Donc là il est 11h30. Ouais. On a fait quoi ce matin? On a fait quoi? Du travail. Bref, on a travaillé et là elle était hyper sage, elle m'a laissé bosser toute la matinée. Et regarder les dessins animés et faire quelque chose, de travailler dans le bureau et regarder les dessins animés. Allez, montez avec moi dans le bureau travailler. On a, parce que j'avais des commandes à expédier ce matin. J'avais aussi du boulot à côté. Et là, elle a fait de la peinture, et on a écouté les comptines, donc j'ai réussi à la gérer en même temps que mon boulot. Là, je vais... Aspect, je parle. Elle me tue. Aïe. Je vais la descendre chez sa mamie, parce qu'elle va manger chez sa mamie ce midi, elle va rester un peu une partie de l'après-midi avec elle. Le temps que je bosse moi à fond, ça me laisse 3 heures devant moi pour vraiment bosser à fond, je vais manger devant l'ordi et tout. Et après je la récupère. Parce que Nico il est encore pas là aujourd'hui et demain matin il part à Paris donc faut que j'avance. Demain matin il part à Paris? Oui mais il part juste un dodo papa. Juste un seul dodo. Donc puis tu restes avec moi. Tu respectes ma moitié d'amour. Bon je suis de retour à la maison, je vais me faire à manger et regarder tout le muguet que j'ai eu. Bon, il y en a pour Ella aussi, hein, j'avoue. Moitié pour moi, moitié pour Ella. On a été gâtés en muguet. Et Nico, le pauvre, c'est vraiment la tradition. Il aime trop nous offrir du muguet et tout. Enfin, moi, il m'en offre depuis toujours. Et là, cette fois-ci, hier, il voulait aller m'en chercher. Il était 19h. Il m'appelle, il me dit, j'ai fini et tout. Est-ce que... Enfin, je vais descendre de prendre du muguet, genre à Ajaccio et tout. Je dis, non, mais pas du tout. Rentre à la maison, repose-toi. Et du coup, il a pas acheté le muguet pour la première fois. Mais bon. Même le geste y était, l'intention y était. Bref, je vais me faire à manger, puis je vais me mettre vite au boulot. Et là, elle était ravie d'être chez sa mamie, dès qu'elle y est, me calcule même plus. Ouais, ciao. voilà, c'est cool. Elle va passer une bonne journée et moi, je vais pouvoir bosser. Bon, il est maintenant 4h. Je réfléchis, attends. Je croyais que tu n'avais pas besoin de moi. Si, j'avais besoin de toi. Ah, ça y est, t'as besoin de moi. Donc il est 4h. J'ai terminé ma journée de boulot à peine maintenant quand Ella est arrivée à 4h. Donc c'est très bien, c'est parfait, ça tombe trop bien. J'ai pu tellement avancer entre midi et 4h. Vous savez même pas comment. Franchement, j'ai une tête aujourd'hui qui est fatiguée. Je sais pas ce que j'ai. Je suis peut-être pas assez maquillée. Un verre d'eau pour mon bébé. Allez. Je suis trop contente parce qu'on est en train de se planifier un petit voyage avec Coralie. Alors à la base, Gaëlle devait venir avec nous, mais finalement, elle ne peut pas parce que bah, pour des raisons de garde d'enfants, c'est compliqué. Début juin, juste avant que Coralie parte en road trip, parce qu'on aimerait les rejoindre aux États-Unis, mais c'est pas sûr. Vu les tarifs des États-Unis, c'est hyper compliqué. Donc j'essaie de voir un peu là d'organiser tout ça. Et du coup là on est en train d'organiser un petit trip avec Coralie, enfin Coralie et moi, on va partir toutes les deux. J'ai attention parce qu'il y a Sabine qui doit arriver en Italie, encore, mais ailleurs, dans un super bel endroit. Non, il n'y a pas tata Sabine. Donc du coup on est en train de s'organiser ça pour début juin, avant qu'ils partent faire le tour du monde, je suis contente. Ça fait trop plaisir.
Là, Sabine va passer à la maison, on va partir pour shooter des photos pour un concours. J'ai personne pour me faire mes photos, c'était compliqué, donc du coup, elle va faire des courses, elle passe nous prendre, on va aller faire les courses avec elle. Et on va s'arrêter pour shooter des photos. Elle fera des courses. Oui, on va y aller tous ensemble. Et puis voilà un peu le programme de cette fin d'après-midi. Mais c'est une journée très productive. Oh, et ça, c'est cool. Bon, on est le soir. Il est temps d'aller au lit, madame. Hein? Oui. Oui, on a brossé les dents. Elle a brossé les dents. Allez. Papa d'amour. Tu viens me faire un bisou? Tu pars tout de suite? Demain matin. Demain matin à 4h. Ouais. Et demi. 4h30. 4h30. Bonne nuit, ma chérie. On reste dans cette journée productive. Il est 21h. J'ai fait toutes mes machines, rangement, vidage de la vaisselle, remplissage, etc. Changer les draps, j'ai fait un million de trucs. Et je me suis fait une tisane. Et je vais me poser devant l'île de la Tentation. Parce que j'ai réussi à regarder le premier épisode à l'enfant. Et là, je vais me regarder mon truc bête de la semaine. Voilà, et je vais penser à rien. J'ai pas touché mon téléphone depuis 1h30, 2h, je ne sais pas où il est et je vais pas le chercher. J'ai entendu qu'il sonnait tout à l'heure, je ne réponds pas, je ne veux pas toucher ce téléphone. Je veux juste me reposer. Penser à rien, être tranquille. Là, j'ai un peu mon invité surprise. C'est la vie, pas grave. Bon, on se retrouvera après l'île de la Tentation. J'ai pas pleuré, hein. J'en suis pas encore là. Mais par contre, j'ai les yeux mais qui me brûlent tellement. Vivement mon rendez-vous là bientôt chez l'ophtalmo parce que j'en peux plus, j'ai trop mal aux yeux. C'était cool. Enfin, c'était pas cool pour ni pour eux ni pour elle, hein, dans la ligne de la Tentation. J'aimerais vraiment pas être à leur place. Mais j'aime bien cette émission. Je pense que je suis pas la seule. Ce fut une journée très productive. Et j'ai fait exprès de bien avancer aujourd'hui parce que demain je suis toute seule avec Ella. Je crois que vous l'aurez compris, ça fait 100 fois que je le dis. Mais moi je tire toujours mon chapeau aux mères célibataires et aux pères célibataires. Parce que quand t'es tout seul avec un enfant, je suis tout seule parce que Nico part à Paris. Il va pas quitter. Tu peux pas faire grand chose d'autre que t'occuper de ton enfant. Voilà. Et du coup, des fois c'est compliqué. Tu peux pas te reposer. Là, je sais que dans les deux jours à venir, ça va être réveil tôt. Bon, de toute façon, on me réveille, c'est toujours tôt avec elle. J'ai l'habitude, mais genre, t'as aucun moment dans ta journée où tu peux lâcher un peu et confier ou prendre le relais ou quoi. Enfin, que l'autre prenne le relais. Tout. Donc, j'ai anticipé. Bon, j'ai de la chance, énormément de chance d'avoir ma belle-mère qui gardait là. Quand je veux et mes parents qui soient là aussi dispo, enfin, qui viennent très régulièrement, qui s'occupent d'elle quand on a besoin, donc on va pas se plaindre, ça c'est clair. Demain j'ai envie de profiter avec elle, j'ai envie qu'on se fasse une journée merci, je sais pas ce qu'on va faire, je pense qu'il doit faire beau demain, je vais l'emmener faire de la trottinette parce que c'est sa passion, mais je sais pas, on va bouger, il faut que j'achète des cintres, c'est tout ce que je sais. Mais non, je pense que je vais l'emmener. J'ai envie de bouger un peu avec elle, je vais voir. Je vais réfléchir ce soir. En tout cas, je vais me coucher. Il est pas tard, il est 11h-10, donc ça va. Je vais me coucher, je vais essayer de me lever tôt pour monter mon vlog et tout avant qu'elle se réveille. Comme ça, quand elle se réveille, je suis entièrement disponible. Je serai une bonne maman comme ça. Bref, je voulais vous montrer aussi ce que vous m'avez demandé, un peu ce que j'utilise comme produit. Du coup, en ce moment, sur mon visage, le soir. Donc... je crois que je vous l'ai montré, je me démaquille avec l'huile démaquillante de Patika, la marque Patika qui est top. Mais la marque nous a dit qu'il fallait utiliser un mousson derrière, donc soit j'utilise dans ma douche un autre, soit celui-là c'est le Biafine, Sensi Biafine gel nettoyant purifiant. Donc je fais les deux. Ensuite, je mets ce sérum Lierac Lumilogie. Qui est un sérum correction des taches, parce que j'ai quand même des taches un peu sur les joues et du coup je teste, mais par contre je le fais que la nuit, la journée je le mets pas tous les jours, donc je sais pas si ça va vraiment marcher en fait. Et après je mets une crème hydratante, donc c'est soit celle-là qui est la Effaclar Matte de La Roche-Posay,
soit celle-là, qui est la crème lactée hydra-apaisante de Patika. Donc en fonction de... Voilà. Et sous mes yeux, j'utilise ça. Si je trouve le lien, je vous le mettrai parce que c'est un super produit. Par contre, à mon avis, c'est cher parce que l'IRAC, c'est cher. Moi, c'est des produits que j'ai eu offerts à part le... La roche posée, celle-là je l'ai achetée. Mais le reste, c'est des produits que j'ai reçus gratuitement, donc je connais pas les prix. Mais je sais que l'IRAC c'est cher. Et ça, je le rachèterai, mais direct derrière, dès que j'aurai terminé. C'est le Hydragéniste Gel Lieu Hydralissant. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'il a un embout en fer qui est très froid. Et tu te masses le dessous de l'œil avec. Je le mets matin et soir. Donc le matin, du coup, je le mets direct. Et vu que je me maquille pas trop le haut du visage, vu que en fait j'enlève juste mes. Je mets juste du correcteur sur mes imperfections en bas, mes taches, mes boutons ou quoi. Et je me maquille pas le reste du visage. Parce que je trouve que ça marque mes rides. Ça, le matin, je le mets en couche épaisse. Et le soir aussi. Et je laisse comme ça. Et je laisse pénétrer. Ça met un petit temps, mais c'est pas grave. Et je trouve que je vois des résultats de ouf. Ça fait que une semaine que j'utilise ce produit. Et je trouve que. Franchement, j'ai beaucoup moins de ridules de déshydratation là. Ça a bien un peu lifté mon œil. Bref, conquise. Si j'ai le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Pour les autres produits, pareil, si je trouve les liens, je vous les mets en barre d'infos. L'huile démaquillante, elle est géniale aussi. Franchement, ça fait peut-être un mois et demi que je l'utilise. Un mois. Et je la trouve hyper agréable. Ça laisse vraiment ma peau hydratée et tout. Enfin, top. Très contente de cette routine. Donc, je vais la tester un moment. Et quand j'ai un bouton, c'est mon petit secret, j'utilise le Effaclar AI correcteur ciblé de La Roche-Posay que je mets sur mon bouton et ça marche pas. Non, je rigole. Je trouve que ça, généralement, ils sortent pas. Là, j'en ai un. On verra s'il sort ou pas. Mais dès que je commence à avoir un truc qui apparaît, hop, j'en mets. Et genre, j'en mets matin et soir. Et généralement, ça les tue avant qu'ils meurent. Ça les tue avant qu'ils naissent. Bref, c'était le point beauté du jour. Je vais vous laisser. Je suis fatiguée, je vais me coucher. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao. La 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 la